bonjour à toi et à tout le monde. Bonjour. Ah, les enfants. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Nous sommes samedi. Regardez, hein. La vraie life. Bon, il se passe quoi là? Il m'a poussé. Mais à la fin, tu me fais pire. Ok. Il m'a poussé là. Toi, tu me fais pire. Et donc, vous êtes en mode tous les deux, en mode ici. Vas-y, force-toi à pleurer toi aussi là. Comme tu sais si bien faire. Est-ce que vous aussi, ils s'amusent à se forcer à pleurer? Ouais, parce que j'étais en train de filmer une vidéo, vous les enfants. Voilà. Au lieu de gueuler comme je sais pas quoi là. La vraie vie. Bon, je les ai calmés pour combien de temps? On va dire une demi-heure. Bon, je les ai menacés, hein. Bien sûr. Je les ai menacés en mode, si vous arrêtez pas, vous n'allez pas ni avoir de tablette, ni de téléphone, ni de console, ni tout ça. Donc, voilà comment calmer les gamins. Nous sommes samedi, je vous l'ai dit. Comme il n'est pas là, je vous l'ai dit. Le temps dehors, il est ultra... Franchement, comment dire, je vais vous montrer, mais c'est voilà, c'est ultra mer, mer. Hop, ça va bouger un peu. Voilà, le temps de dehors, c'est ça. Et en plus, ils annoncent de la pluie dans la journée, donc même pas sûr qu'on sorte. Bon, on va essayer de sortir quand même un petit peu. Hier, je suis sorti sous la pluie, donc c'est pas trop dérangeant. Mais c'est vrai que aujourd'hui va être une journée très difficile pour les enfants. Déjà, un, de ne pas bouger de la maison. Deux, de rester renfermé toute la journée. Corinne finit qu'à 17h sa formation. Et à 17h, fatalement, bah, y a plus rien à faire, quoi. Ouais... Enfin bref, le petit café qui fait plaisir, pour vous dire, il est à peine 9h, ouais, c'est vrai, il doit être 9h05, un truc comme ça, 9h10, vous savez qu'à moins 10, ils m'ont déjà demandé les tablettes et les trucs. Bon, je pense que c'est pour ça, vu que je leur ai dit non, il était trop tôt, bah ils me font le coup du Vous savez quoi? On va rester une heure comme ça. Voilà. Il y aura un vlog d'une heure. C'était pas un délire tout à l'heure avec la vidéo de ce soir que vous aurez. La vidéo de ma page. Et en fait, je me suis tapé un délire en parlant comme ça. Bonjour. Ça va. Non, en fait, je l'ai fait qu'à la fin, mais j'aurais pu faire comme ça toute la vidéo. Alors, je prends du masking tape. Ouais, je suis en manque de fatigue, de dormir, ouais. Et bon dimanche. La tablette. Et comment avoir une maison calme? Merci la tablette. Il est 10h30, je suis en train de faire mes trucs réseaux sociaux, c'est-à-dire publier les pages d'été, un code promo, parce que je ne sais pas si je l'ai dit ce matin, il y a un code promo valable jusqu'à dimanche soir, donc c'est VS2018. Tous les ans, je fais un code promo au moment de version scrap. D'habitude, j'y suis même à version scrap, mais là, cette année, je me suis dit, il n'y a rien d'utile, sachant que Swirlcards ne fait plus partie des boutiques qui y va. Voilà, donc avant, on y allait spécialement pour ça, pour voir version scrap, voilà. Pas pour voir sur le cadre. Cette année, il n'y a pas de stand. Bah, de toute façon, la boutique n'existe plus en même temps. Voilà, enfin bref. Et donc, comme tous les ans, je fais un code promo pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas aller à version scrap, qui habitent trop loin, tout ça. Bon, après, hein, franchement, ça vaut rien. C'est genre le mec. Bah, tous les ans, on y va. Tous les ans, on se dit, ouais, mais c'était nul. À part voir des gens, vous payez le parking, vous payez l'entrée, juste pour voir des gens. Je veux dire, vous les attendez dehors. Ça sera pareil. Vous allez en vacances à côté de chez eux, ça sera exactement pareil. Voilà.
Enfin bref. Et donc, je disais quoi? J'ai fait un code promo, voilà. Et là, je vais faire mon montage de ma page de demain soir. Les enfants sont calmes, ça fait plaisir. Non, vous voulez pas crier, non? Hey, y'a la mort! Non? Pourquoi tu veux pas crier? Parce que quoi? Parce que t'as peur que je te prenne la tablette? Tu regardes quoi? Des vidéos. Voilà. Aya et ses vidéos. Adam, il est sur Pokémon. Mato, il doit être sur Pokémon Go. Et il est là en train de me regarder, genre en mode. Mon père est youtubeur. Je le regarde travailler. C'est ça? Parce que je suis beau, c'est pour ça? Ouais, je sais. Ou pas. Allez, je pars sur mon montage. Le frigo qui fait autant de bruit encore. Mais je pense qu'il est en train de rendre l'âme. Hein. Il a quel âge? Il a peut-être 10 ans. Ah non, peut-être pas 10 ans, j'abuse, j'exagère. Enfin bref, il est midi moins 10, c'est l'heure de faire à manger. Et à vrai dire, on a voté pour des coquillettes. À l'unanimité. Bref, tout le monde a choisi pâtes. Donc on va faire des pâtes pour midi. J'ai fini de monter ma vidéo, là elle est en train de finir, de compresser. Je dis compresser à chaque fois, mais en fait c'est pas compresser, c'est de. Je trouverai pas le mot de. Bref, de tout mettre ensemble pour YouTube. Après je vais la lancer sur YouTube. Elle dure 24 minutes quand même pour une simple page. Donc voilà. Il fait toujours aussi pas beau dehors. Alors j'ai eu des commentaires sur ma vidéo d'hier par rapport à bon, pas mal de choses, mais surtout par rapport à Pokémon. Bah, ma soeur m'a surtout envoyé un message et message privé en me disant que je fais ce que je veux parce que c'est ma chaîne YouTube. Mais ouais, je pense que je vais quand même en faire au moins une par semaine parce que ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de faire ça. Voilà, en ce moment, j'ai vraiment envie de jouer. Et je pense que ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment commencent à me cerner et savent que quand je commence à être addict à quelque. Bah, quand je mets quelque chose, je suis addict. Voilà, donc je perds une addiction pour une autre addiction. Voilà. Et là, en ce moment, c'est. Malgré que j'ai toujours envie de faire du scrap tout ça, hein, mais là j'ai vraiment envie de jouer aux jeux vidéo. Bah, aux jeux vidéo. J'ai joué un peu avec les enfants, avec les garçons, à FIFA. Ouais, FIFA 2012, pour vous dire. Merci Ludivine. Et Mathéo m'a gagné 4-0 et j'ai gagné Adam 3-0. Voilà. Quand t'es addict à quelque chose, hein, surtout quand t'es un geek, surtout addict. Quand t'es un geek, quand t'aimes les jeux vidéo, bah tu peux pas t'en passer. C'est. Après voilà, hein, comme je vous ai dit, je sais plus quand, je suis un gamin. Je le sais, je l'admets et je le revendique. Voilà, je vais aller mettre les pâtes dans l'eau. Valeur sûre. Surtout. Il faut remuer dès qu'on met des pâtes. Alors certaines personnes les rincent pour enlever tout ce qui est je sais plus c'est quoi le gluten. Nous à vrai dire on les fait directement comme ça. C'est surtout qu'il faut qu'elles soient al dente parce que sinon c'est immangeable. Voilà. Donc oui comme je disais je pense que je ferai une vidéo par semaine. Je vais essayer d'intervertir Scrap. Ah, il y aura toujours tous les vlogs tous les matins, hein, parce que là, de toute façon, c'est devenu un quotidien. Et quand on n'a pas de vlog, bah, on se sent vide. Sérieusement, c'est vrai. En fait, parfois, on se dit, bah, je vous ai fait plusieurs fois le coup du j'arrête, de vouloir arrêter, en fait, de vouloir arrêter parce que bah, c'est pesant sur la vie familiale, voilà, les gens qui nous critiquent, tout ça, qui nous jugent. Pas, voilà, tout le monde, hein, tout le monde nous juge automatiquement vu qu'ils voient notre vie et que nous, en plus, on la publie. Voilà, donc après, il y a plein de commentaires qui nous plombent le moral parce que bah, voilà, c'est notre vie, donc fatalement, enfin bref.
Et plusieurs fois, donc je vous ai dit, ouais, bon, on va arrêter les vlogs, patati patata, ou il y aura des vlogs moins souvent. Et fatalement, en fait, ça revient une habitude. Et surtout, c'est quand il n'y a pas de vlog, c'est un manque de malade de ne pas vloguer. Même si parfois ça fait du bien, mais il y a des moments où en fait on se dit, bah ouais, mais il manque quelque chose. La semaine, voire deux semaines cet été où j'ai pas vlogué, franchement, c'était vide. C'était vide. Quand il y a une journée où je vlogue pas, le lendemain, vous avez pu voir que je débite de malade parce que bah, j'ai eu ce manque de pas parler. Voilà. Et de hashtag journal intime, tout ça, toi-même, tu sais. Mais bon, même si, parfois ce qu'on dit, c'est inintéressant. Je le conçois, mais ça fait du bien de parler. Et en plus, vous, ça vous fait du bien d'entendre pour certaines. Voilà, comme je disais à l'origine, je disais quoi? Parce que là, ça commence à faire beaucoup de blabla. Je disais que oui, les vlogs le matin seront toujours là. Il y aura toujours une page ou en fait une créa le mercredi et le dimanche soir. Et le vendredi, je pense que vendredi soir, je mettrai une petite vidéo Pokémon sur ma semaine ou sur... sachant qu'en plus là, très bientôt, il va y avoir une nouvelle génération qui va arriver sur le jeu. Donc automatiquement, ce sera des Pokémon que j'ai pas. Donc je serai content de capturer tout ça, sachant que je ne suis pas un pro du jeu. Il y a quelqu'un là, c'est ça? Voilà. Ah, il y a mon petit, il y a ma petite souris. Ouais. Ça va, ma petite souris? On a tous voté pour des pattes? Ouais. Ouais. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est toi qui as eu l'idée? Bon, tout le monde a dit pattes en même temps. Enfin bref, allez, je vais vous laisser, je finis à manger, même si c'est pas du grand manger. Je finis ça, on va manger et après on va peut-être sûrement sortir un petit peu dans le village. Mmh. Bah, déjà pour nous, pour Pokémon, et elles vont essayer de faire du roller. Je sais déjà en faire. Oui, mais essayez, parce que je te dis, il a plu toute la nuit, donc c'est peut-être trempé. Mmh. Donc on ira voir. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Dépression! À ce point-là? Ah, ils m'ont gavé, mais de ouf! Ouais. Bah, et ouais. Toi, ta formation? Ouais, elle m'a gavé, mais de ouf! Non, elle m'a pas gavé. Non, c'est intéressant, parce que c'est super intéressant, mais c'est beaucoup de bourrage de crâne, ouais. Et beaucoup de choses à assimiler. Mais non, c'est super intéressant, mais à part du coup. D'accord. Mais donc, c'est bien. Il est 18h, j'ai parfumé depuis ce matin, donc vous avez pu. Voilà. Faudrait que j'arrête de dire, vous avez pu voir, parce que parfois je dis des trucs et en fait je mets pas les images. Ah. Si, la dernière image que vous avez eue, c'était Aya qui est en train de roller. Et après on est rentré, on a rejoint la console un peu avec les gamins et c'est tout. On a goûté tout ça quoi. Là il est 18h, Corinne elle est rentrée en retard. Elle devait finir à 17h, donc je l'attendais vers 17h10. Et elle est arrivée, était moins 20. Bah, le temps, bah, déjà qu'elle finisse de parler, qu'elle nous explique, après le temps de ranger le RAM et tout. Et donc, elle est rentrée, elle me dit mange quoi ce soir? Bah, au début, elle fait vous avez mangé quoi à midi? Je dis bah des pâtes. Et on mange quoi ce soir? Elle dit bah des pâtes. Et voilà, et finalement, on fait les faibles. Ouais, bah, fatiguée là quand même. On fait les faibles. Bon, moi ça va, je suis pas trop fatigué. À part que les gamins m'ont quand même cassé la tête toute la journée. C'est de la fatigue, mais de la. Ouais. Ouh. Salut! Je sais pas ce qu'on peut. Je sais pas si on peut appeler ça une fatigue, je sais pas. Bah, ouais. Si, c'est une fatigue. Déjà, les yeux qui fonctionnent toute la journée. Le cerveau. Quand t'as plus l'habitude d'être assis toute la journée à écouter quelqu'un comme à l'école, et bah, c'est dur en fait! Et donc, Corinne avait prévu Burger King demain midi. En fait, parce que demain, normalement, on va sur Perpignan.
Il y a un truc médiéval. Alors oui, ça bouge parce qu'en fait, ça arrête pas de tomber au niveau du... En fait, je le pose là. Je le pose là, le téléphone, mais en fait, il arrête pas de tomber. Voilà, donc elle avait prévu Burger King grâce à des chèques vacances. Voilà, des chèques vacances, parce que elle est assistante maternelle, mais elle a quand même droit à des chèques vacances. Ouais, tous les deux ans, j'ai le droit. Bon, j'ai quand même mis un an pour les obtenir, parce que l'IRSEM, c'est doucement, mais sûrement. Et en plus, ils l'ont carotte sur, sur les renouvellements d'agrément, mais bon, après, ça, c'est autre chose. Mais en fait, ouais, on ne savait pas dès le début. Pourtant, ça fait combien de temps? 6 ans que tu as ton... Ça fait 7 ans que je m'en vais sur ma 7e année. 7e année d'assistante maternelle. En fait, elle ne savait pas qu'elle avait le droit à des chèques vacances. Tous les deux ans. Donc, pour les assistantes maternelles. Au cas où, si vous ne le saviez pas. Bah, après, tout le monde n'y a pas le droit. C'est par rapport au... À la région au... Non, pas ça. Par rapport au... aux revenus. Donc nous, voilà, on roule pas, on n'a pas des revenus de ouf, on y a droit, donc voilà, faut le tenter. Voilà. Donc voilà, donc en gros, si vous saviez pas que les assistantes maternelles, si vous saviez pas que vous avez le droit à des chèques vacances. L'IRSEM, et le truc c'est action sociale. Au pire, pour les assistantes maternelles qui savent pas comment faire, vous m'envoyez un. Vous envoyez un petit MP à Corinne et je vous répondrai comment faut faire parce que si au cas où vous ne le saviez pas, parce que nous on a quand même mis 7 ans à savoir qu'il y avait le droit. Voilà. Donc en gros, aucune dépense, on va dire, directe de notre compte bancaire. On va dire que c'est un petit plus. Et c'est un petit plus pour ce soir. Et voilà, ouais, je sais, on se justifie. On justifie de manger Burger King. C'est bon le Burger King. Ouais, c'est mal, mais c'est bon. Non, en fait, c'était juste pour dire au cas où, si vous ne saviez pas. Voilà, moi, il faudrait qu'en tant que... Hop là. Alors, attendez, hop. C'est bon, tu peux passer. Faudrait que je demande si auto-entrepreneur, t'as le droit. Ouais, t'as juste le droit de travailler, fermer ta bouche et payer l'URSSAF aussi. Enfin, que ça soit avant, c'est tout. Oups, ça m'a fait peur, lui. C'est une grosse dépense, l'URSSAF. Enfin, bref. Enfin bref. Donc on va, et en plus on doit aller à Carrefour pour acheter du blanco pour Yaël parce que elle le sniffe le blanco, je sais pas ce qu'elle en fait, elle doit le manger. Mais non, en fait c'est les au collège, ils veulent pas les blancos avec le pinceau, ils veulent que des blancos qui coûtent 3 bras et un poumon. Les blancos escargots là. Donc en fait ça va trop vite et vu qu'Yaël elle est assez maniaque au niveau de l'écriture et tout ça, en fait elle machine souvent. Donc en gros son blanco, son truc il a fait un banc. Autant son frère ça va durer toute l'année que elle. Bah oui, parce que tu regardes les cahiers de son frère. Ah Mathéo c'est doucement mais sûrement. Mais bon, il s'accroche, c'est le principal. Ah oui. Donc voilà pour la soirée au chute. Tu sais quoi toi, viewer? Bah on va arrêter là le vlog. Parce qu'on va rien faire d'exceptionnel après. Ouais, à part manger un bon gros Burger King. Et se mettre en pyjama et se mettre sous la couette à regarder Twilight. Tu vas regarder Twilight. Maintenant, on a. Alors, tu sais quoi? T'as 4 épisodes de Les Agents du Shield de la dernière saison à regarder parce que hier soir j'ai pas réussi à dormir. Non, tu sais quoi? Je me ferais bien du space. S'il est chaud. Il doit être chaud. Mais t'as quand même 4 épisodes parce que hier soir j'ai pas réussi à dormir et je me suis regardé 4 épisodes. Ah ouais. Ah ouais. Je voulais savoir pourquoi, comment Fitz il était venu là, déjà. Ouais, mais chute. Voilà. Et après, il y a plein de trucs, donc voilà. Ouais. On est à la saison, je ne sais plus combien, de Les Agents du Shield. Et en fait, je vous raconte juste ça, en fait, ils sont propulsés dans le futur. En 2090, la Terre a explosé et on se demande pourquoi, et voilà. Voilà pour le blabla. Allez, on va arrêter là. On espère que ce petit vlog t'aura plu. Il y a eu beaucoup de blabla aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Mettre ta petite commentaire, ton petit ton petit bonjour, ton petit ce que tu veux. Et voilà. Bon, on demande pas de partager les vidéos vlog. Hein. Tu le fais si t'en as envie. Voilà. De toute façon, techniquement, si tu mets un pouce bleu, ça partage automatiquement sur Google. Donc n'hésite pas, et en plus ça nous référencie un peu plus haut au niveau référencement YouTube. Donc quand les personnes chercheront des vlogs, ils tomberont plus facilement sur les notes. Voilà. Petit message. Alors on va finir là-dessus. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique, il y a toujours un code promo jusqu'à dimanche soir. Et voilà. C'était tout. C'était bien.
Voilà. Tchou, 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 bien. Donc, à demain. À demain, si tout va bien. Tchou.